principal, c'est la gestion des ressources humaines. C'est de soigner plus de patients avec moins de ressources et donc moins de moyens et de garder la qualité des soins. Mettez-vous dans la peau d'un cadre de soins qui apprend à la dernière minute qu'il doit remplacer une infirmière au sein de son service. Jusqu'à présent, ils étaient obligés de rappeler du personnel en repos et ensuite faire appel à des sociétés d'intérim. Désormais, avec notre solution, ils vont constituer une base de remplaçants volontaires compétents au sein de l'établissement qu'ils vont pouvoir activer très facilement. Et donc, comme c'est basé sur la base du volontariat des salariés, ça apporte énormément d'avantages à la fois économiques et sociaux. On fait gagner énormément de temps au cadre de soins qui avant en perdait beaucoup. On retourne la manière dont les établissements de santé prennent contact avec les agents, puisque c'est eux qui viennent à la mission désormais et plus la mission qui leur est imposée. On permet également d'économiser, puisque nos clients font moins en moins appel aux sociétés d'intérim. Et le retour, c'est qu'en l'espace de 3 ans sur tous les établissements publics, la solution a permis d'économiser 2,4 millions d'heures de cadres sur le territoire. La techno, on l'a hébergée effectivement dans le cloud de Microsoft, d'Azure, pour plein de raisons qui aujourd'hui sont que des bonnes raisons. La première raison, donc, il y a la sécurité associée à la manière dont Azure est gérée et dont on a donné des droits à certaines personnes qui ont accès à des données qui sont relativement restreintes. Et on sait que la sécurité est très très importante chez Microsoft. Un autre élément chez Azure, c'est la montée en charge de notre système. On a une saisonnalité de l'utilisation de nos serveurs et des missions. Et donc, si on avait dû le faire en interne, on aurait dû évidemment acheter énormément de serveurs juste pour compenser les pics de consommation. Et avec Azure, ça, on le fait ultra simplement de clics.